L'entrée officielle des engins et autres matériels de construction de la route Kasindi-Beni jusqu'à Bunagana. La cérémonie s'est déroulée à la frontière de Kasindi au pont Loubiria en présence du général-major Camille Bombele et du général Kayanja Muanga, respectivement coordonnateur et coordonnateur adjoint des opérations conjointes FARDC-UPDF. Après la coupure du ruban symbolique, les engins ont été autorisés d'entrer sur les sols congolais. Une satisfaction pour le coordonnateur des opérations qui tient à assurer la sécurité sur cette route pendant toute la durée des travaux. Je tiens encore à signaler que pour ce travail-là, donc les troupes de FARDC et les troupes de l'UPDF sont encore together ensemble pour la protection de ces travaux-là que nous devons dire au manager. Ainsi, il doit commencer aujourd'hui. Je vous dis que le peuple qui est de l'autre côté est en train de l'attendre pour le début de ces travaux. Pour sa part, la partie ougandaise représentée par le général-major Kayanja Muanga s'est dit déterminée à matérialiser la volonté des deux chefs d'État en renforçant la sécurité avec les troupes ougandaises pour permettre aux agents de l'entreprise Sinetruk de mieux exécuter les travaux sur la route Kasindi-Beni. À projecter. Leo hii ni muhimu sana kwa ajili tumekuja kwa project hizi tunaziita security roads. Hii barabara ikienda mpaka Butembo. Cha kwanza tutakuwa tuna achieve our national strategic end state. National strategic end state ya sisi wote huko na sisi ni kwamba to create a peaceful environment. Kuleta amani katika Eastern DRC sisi wote na FARDC. Kuleta amani katika Eastern DRC ili watu wetu waweze kufanya biashara vizuri na wakuwe vizuri, maisha yao yakuwe mazuri. Ici est de signaler que plusieurs matériels et engins sont déjà visibles dans plusieurs sites sur la route Kasindi-Beni.